Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux hôtes intégrés dans les tables de cuisson. On est ici chez Bora, vous savez qu'on est ambassadeur Bora. J'avais envie de vous montrer quelque chose qu'on nous pose la question à chaque fois. Et si l'eau déborde, que se passe-t-il ? Alors cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux gens maladroits, elle s'adresse aux gens en fait qui cuisinent. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur. Une casserole qui déborde, ça arrive à tout le monde. Que les mains glissent, etc., ça peut arriver à tout le monde. Alors, quel est le risque quand la hotte est au milieu de la plaque de cuisson ? Alors vous l'avez vu, j'ai versé de l'eau. Dans ce verre-ci, il y avait 150 ml d'eau. C'est pas le maximum, vous allez voir. C'est la quantité que l'attaque peut absorber, c'est quand même un gros demi-verre, hein, avant de devoir réellement intervenir. Quand vous avez 150 ml d'eau, vous avez tout d'abord le filtre qui est ici, qui s'est rempli d'eau. On peut venir voir. Donc vous avez ici un réservoir de 150 ml d'eau avant que quelque chose ne vienne vraiment inonder le bas de votre hotte intégrée à votre table de cuisson. Ça, c'est le côté 150 ml d'eau. Que se passe-t-il si vous avez vraiment, vraiment une très grosse catastrophe ? Eh bien, évidemment, Bora a prévu le coup. C'est extrêmement simple. Jusqu'à 3 litres d'eau, maximum 3 litres d'eau qui sont déversés dans l'attaque, vous avez en fait un grand bac récolteur en dessous. Au-delà de 3 litres, vous pourriez réellement endommager votre plaque de cuisson avec hotte intégrée. Quand vous avez 3 litres d'eau, vous avez un collecteur sous l'attaque qu'il faut démonter, évidemment, prudemment, et vous devrez vider cela. En laissant bien sécher, vous n'endommagerez pas votre table de cuisson avec hotte intégrée. Cette vidéo était surtout destinée, effectivement, aux gens qui se disent « Voilà, je cuisine, ça déborde, je suis mise catastrophe, qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà, vous l'avez compris, 150 ml d'eau et en cas de gros problème, en dessous de 3 litres, aucun problème, vous savez en tout cas intervenir sur votre table de cuisson. J'espère que ça vous aura rassuré un maximum car je vous assure, nous avons la question pratiquement à chaque fois que l'on renseigne ce produit, en tout cas cette gamme de produits. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux tables de cuisson avec hotte intégrée. N'hésitez pas à vous abonner et laisser des commentaires. Si vous avez des questions, passez-nous voir en magasin. Vous avez également notre site de vente en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !